Salut, chers téléspectateurs. En tout cas, en fait, l'endroit dans lequel je suis vraiment ici à côté, vraiment spécial, là où moi je des pisciculteurs, je suis en train vraiment de travailler. Mais me connaître, je m'appelle Monsieur Tolé, je suis entrepreneur, jeune entrepreneur. Donc, je voulais seulement vous résumer un livre que j'avais beaucoup lu et ce livre m'a vraiment beaucoup aidé. Et ce livre s'appelle Rafraîchissez et devenez riche. Et c'est un livre de Napoléon Hill. C'est un auteur américain et un journaliste. Pour moi, ce livre, j'avais compris des trois choses. Trois choses sur ce livre que moi, j'avais compris. Lorsque moi, j'avais lu, vraiment, c'est un livre vraiment qui m'a beaucoup motivé. C'est un livre qui m'a beaucoup vraiment motivé et qui m'a aidé pour atteindre mes objectifs. Alors, je voulais vous résumer trois choses que j'avais compris de ce livre de Napoléon Hill. La première chose, c'était les 2 yeux. Les 2 yeux, c'est quoi? Dans ce livre, Napoléon Hill nous montre comment avoir les désirs. Les désirs, c'est comme la foi. Quand vous avez un désir d'obtenir quelque chose, tu sais, et ce désir, ça devient un rêve, et désir, ça devient quelque chose qui vous motive chaque jour. Ça, c'est le 2 yeux. Peu importe ce qui peut vous arriver, mais une fois que vous avez les 2 yeux, tu peux tout avoir. C'est la foi, quelque chose qui, chaque jour, vous êtes en train vraiment de vous réveiller et sentir que non, je veux obtenir ce que je veux. Donc, c'est le désir d'obtenir. Si vous avez le désir d'obtenir quelque chose, ma chère, vous aurez votre résultat normalement. Et la troisième chose, c'est vous. D'abord, vous qui voulez obtenir quelque chose, nous avons, chacun de nous a un pouvoir qui est à lui. Et ce pouvoir, c'est là. C'est-à-dire, vous faites confiance. Faites-vous d'abord vous-même confiance. Quand vous faites confiance à toi-même, que non, je peux avoir, non, je peux obtenir, non, moi aussi, je suis une personne qui peut obtenir. Peut obtenir, moi aussi, je dois obtenir. Pourquoi pas moi? Pourquoi seulement lui? Mais une fois que vous avez cette confiance à toi-même, quand vous faites toi-même confiance, ma chère, vous allez obtenir ce que tu veux. Tout, vraiment, je ne peux pas vous parler de tout ce qui se trouve dans le pouvoir, tout ce qui se trouve dans les 2 yeux, mais je vais seulement vous résumer. Et deuxièmement, troisièmement, pardon, la troisième chose et la dernière, c'est le business. Donc, quand vous voulez faire, quand on parle de business, c'est-à-dire quoi? Quelque chose que vous faites en échange pour obtenir ce que tu veux. C'est-à-dire quoi? C'est ça le business. Avoir une rémunération. Vous rendez service à quelqu'un pour avoir une rémunération. Et c'est ça le business. Et à présent, donc, il faut savoir dans quel business vous voulez investir. Quel business tu veux investir? Alors, une fois que vous avez senti dans quel business tu peux investir ton argent, tu ne peux pas investir ton argent dans le business que tu ne connais pas. Il faut connaître bien le business. Quand vous allez connaître bien le business, donc vous allez faire tout ce que tu veux et ça sera bien. Donc, connaître bien, faites vos études, regardez bien, soyez un investisseur averti. Ne soyez pas un investisseur qui vient, on le prend comme ça dans le chemin et qui bouge ainsi, si tout ce qui se bouge, ce n'est pas bien. Donc, choisissez un bon business. Vraiment avec ces trois choses dans ce livre qui m'a beaucoup aidé. Ok, si cela vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à cette page. Merci et merci.